Pile au moment où la vidéo se termine en plus. Alors j'ai gagné un trophée à l'instant en fait, juste avant de lancer là, il y avait marqué il vous manque 8880. Alors je pense qu'il devait y avoir autre chose après, mais j'ai pas pu le lire. Ouais. Et je ne sais. Défi classique terminé, mi-chemin. Ah, pour level 20. Ah, ça doit être 8880 points d'XP ou une merde dans le genre. Alors. Quête. Conflit d'intérêt. Zephetou le Brandon a découvert que Zervos, le capitaine du port, aidait des marchandises à arriver discrètement à Zaïs. Zervos se cache afin de lui échapper. Bayek doit trouver Zervos avant Zephetou, discutant avec les marchands afin de découvrir qui est loyal envers le capitaine du port. Le level maximal c'est 40 alors, d'accord. Je dois trouver ce Zervos pour apprendre ce qu'il sait sur Zephetou. Savoir s'il est lié au scarabée. Je vais interroger les marchands. Découvrir lesquels sont ses amis. Tu veux des dattes? Les meilleures du coin. Ce sont celles que la brasserie utilise pour sa célèbre bière. Je ne fais que regarder. Tu connais un dénommé Zervos? Zervos? Le capitaine du port est mort. Les affaires vont bien? Assez bien, oui. Que cherches-tu aujourd'hui? Zervos, le capitaine du port. Tu sais où je peux le trouver? Tu cherches qui? Pourquoi? Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est mort. Qu'est-ce que tu lui veux à ce Zervos? C'est un homme bien. Un homme bien. Donc tu le connais? Non. C'est ce qu'on dit de lui, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Toi peur, petite. Toi très peur. Je cherche toujours Zervos. Je te l'ai déjà dit, je ne connais rien ni personne. Laisse-moi tranquille. Alors, tu veux du poisson? Je cherche Zervos, le capitaine du port. Oh, il paraît que c'est fait tout là, éventré. Carrément. Bonjour à toi, Neb. Je travaille le métal, je peux t'être utile? Ben alors? Ah voilà. Je regarde, c'est tout. Tu connais un dénommé Zervos? Le capitaine du port? Ah. Pourquoi me poses-tu cette question? Il paraît qu'il a disparu. Il se cache? Il est mort? Que ferais-tu si ces fétous avaient mis ta tête à prix? Ah, je vois. Je ne suis pas sous ses ordres. Je ne sais rien à ce sujet. Je m'occupe de mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Quelqu'un qui travaille les plus beaux articles en métal de Saïs. Enfin, pour quelqu'un qui travaille le métal et qui vend des bananes et a l'air d'être des mangroves, de la mangrove, du raisin. Tu as besoin de quelque chose? Je suis toujours sur la piste de Zervos. Sur sa piste, hein? Désolé, je n'ai rien à te dire. Que cherches-tu aujourd'hui? Le capitaine du port, Zervos. Ne prononce pas son nom. Les gardes l'ont tué. Voyager jusqu'à la fabuleuse Létopolis. Létopolis est un rêve qui a pris forme. Un nouveau foyer, l'œuvre de vos mains et de vos efforts. Mais la promesse d'un avenir radieux vous attend. L'éclat de Létopolis brille. Qu'est-ce qui manque là? Cette mine. Ah oui, ils sont accessibles que pendant la journée, là, je sais.
ça va jusqu'où les marchands en fait là? Ah, ça peut être là aussi. Ah oui, je quitte la zone d'investigation, d'accord. Ma chérie, nous n'avons pas de quoi payer les maudites taxes de Sefetu. Quand il viendra, je lui dirai que je suis prêt à me soumettre à la servitude. Ma chérie, mais il parlait à un vieux mec. Il y a un problème là. Et Reda, il peut m'aider ou pas? Ah! Oh, tu m'as l'air costaud, toi. Tu veux renforcer ton armure? La nuit a été longue? Très. Pardon, que cherches-tu? Pour l'instant, je cherche Zervos. Le capitaine du port? Ah bah, bien sûr, Zervos est... absent. Absent? Oui, il est parti à Létopolis, attiré par la promesse d'une nouvelle vie. Alors il n'est pas mort? Mort? Pourquoi voudrais-tu qu'il soit mort? Tous racontent une histoire différente à propos de Zervos. Je me demande si l'un d'eux en sait plus qu'il ne le dit. Lui, il m'avait l'air plus hostile quand même. Tu as besoin de quelque chose? Je suis toujours sur la piste de Zervos. Sur sa piste? Ma chérie, nous n'avons pas... Désolé, je n'ai rien à te dire. De quand il vient, les marchands qui lui disent que je suis prêt à me soumettre. Ah, à suivre les marchands suspects. Non, tu n'auras pas à le faire. J'ai parlé de notre malheur à Dame Maharet, et elle m'a donné une bourse remplie de pièces. De quoi tenir? On va méditer. Oh, mais c'est... Ce vieux muet est encore en train de rôder. N'appartient-il pas à une... Ce vieux muet est encore en train de rôder. Ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas encore chassé. Peut-être. Ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas encore chassé. Je crois qu'il habite au domaine de Tarka.
Putain, mais ils vont jusqu'où comme ça? Comment vas-tu? Comme je peux. J'en ai assez de me cacher. Un étranger te cherchait au marché. Quoi? Qui ça? C'est un des chiens de Sefetu? Je ne sais pas, je ne crois pas. Il porte un insigne d'autrefois, mais il a l'air dangereux. Un insigne? Quel genre d'insigne? Un insigne de Medjay. Un protecteur? Garde un œil sur lui. Bah c'est bon, je les ai suivis les marchands. Ah bah d'accord. Fallait que le trigger se déclenche. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces Sefetu. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcé de me cacher sur mes propres quais. Que te veut ces Sefetu? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ah, c'est la voix de Glend, de Horizon. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Sefetu ne peut taxer ce qu'il ne voit pas. Et foncièrement la voix de Rico de Just Cause. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma felucle. Ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ma felucle est amarrée au quai de Saïs. Je préférerais qu'elle reste entière. Mais si je dois la détruire, sois prudent. Les hommes de Sefetu surveillent le port de près. L'autre, il lève les bras au ciel, genre ouais, vas-y, Bayek. Salut les gars. J'arrive à pousser le garde. J'arrive quand même à pousser le dernier garde sans que les autres arrivent à le remarquer, et ça c'est fort. C'était fort de café. Oh, les bandes sont par contre, c'est vrai qu'elles sont classées. Faut m'expliquer. Trouver quelque chose? Non, ce bon dit Zervos. Ah! La blague! Oui, bonjour. C'est ça, crève. J'arrive pas. Hein.
la blague. Ce nuage toxique. Ouais, carrément. Vas-y, descends. Te voilà. Cette tartine. Les barres peuvent prendre feu. Ah, c'est trop la classe, ça. Ah, le fénitou comme il l'appelle. Ah non, je l'étais dit aussi. Ah, ce n'est pas les bons côtés. Ça pour ça, bah putain. Déception sur mille, quoi. Ah, y a des missions secondaires qui servent pas vraiment. Enfin, même pas, c'est parallèlement la mission principale, au pire. Tu n'as plus besoin de te cacher. J'ai pris soin de ta felouque. Les archives sont en sûreté. Tu as sauvé ma felouque. Tiens! Prends ceci, tu l'as bien mérité. Ok. Mais encore. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu as aidé tous ceux qui vivent ici. Les gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos. Pourquoi ne pas attaquer Sefetu? Sefetu est trop puissant, trop cupide. Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui. Nous ne sommes pas des guerriers. Sefetu s'entoure de soldats. Sa base de Fornikiou est équipée de balistes. C'est même moi qui l'ai aidé à les apporter. Kamon veille sur toi. Soit. Waouh. À quoi ressemble ce bouclier? Yeah. C'est un niveau 15, mais bon. Pourquoi pas? C'est quoi la différence? Ah ouais, d'accord, au niveau 16, celui-là et celui-là. Résistance au feu. Waouh. Point d'aptitude. Bon, pour le moment, on va les garder. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'on arrive à se dépêtrer. Quel était donc ce bruit? Quête principale. Alors,
Parce que les quêtes annexes, on ne pouvait pas les faire. Alors maintenant, on a trouvé Goupa et le sauver. Ah, mais d'accord. C'est juste là. Allez, Pégase. Ya. En diable. Attendez, vous allez pas me dire que c'est ce que j'ai fait. Bah non. Oh, ça doit être par là. Ça ne peut être que par là. Un camp que j'avais déjà fait ça. Oh super. Super. Est-ce qu'on peut le libérer sans tuer les ennemis? Épique. Hop, la solidité de Bayek. Je crois que tu vivras. On n'a rien compris. Je comprends pas quand tu parles. Je sais que le scarabée t'a pris ta main. Ah oui, d'accord. Et on peut s'entraîner. Harkouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée. Aide-moi. Et je te promets qu'il mourra. Beaucoup de Létopolis. Hein. Regarde, petit garçon, qui voilà ton grand-père. Grand-père, tout va bien? Il est blessé. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawab? Il faut que je lui parle. Père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère! Grand-père est blessé! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. D'accord. Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange, je protégerai ta famille. Ben merci, les dialogues, putain! Il veut que tu les lises. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Étopolis. Voilà, l'Étopolis. La ville engloutie par le désert. Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre, n'est-ce pas, mère? Ah, merci pour ces dialogues riches. Vous êtes sérieux, putain ?
si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Super quoi, les dialogues, dialogues de sourds, hein, lolilol, c'est génial. Lettre du scarabée. Yen. Tu es bien silencieux ces temps-ci. Ça ne te ressemble pas. J'espère que tu ne te morfonds pas. Je t'envoie un peu de cette silice si convoitée. Je l'ai découverte dans les sables de Létopolis. Il y en a peu, mais le désert est avare de trésors. J'ai par ailleurs envoyé des agents à Gizeh, Memphis et Imou, afin de gagner des hommes désespérés à ma cause. Ne t'inquiète pas, ce sont des langues de miel, pas des chiens sauvages comme mon Brandon. Scarabée. Alors. Donc. Aptitude. Aptitude. Ah, c'était deux celui-là. Ah, même pour vendre ces deux. Deux, et là ça doit être un. Voilà, écran de fumée. Là donc on avait deux. C'est quoi ça? Enchaîne les jets surpuissants. Wouah! Oh, c'est craqué ça! Elle peut être acquise à plusieurs reprises. Wow. Ouais, après, c'est du farm pur et simple, en fait. D'accord. Ah, perception de Senu. Ah, d'accord, 12 points de synchronisation sur 8. Permet d'accroître la distance de perception de Senu pour repérer plus facilement les ennemis. Ah, putain, j'ai même pas fait gaffe à ça, quoi. Alors, inventaire. Et... équipement. Voilà, après on n'a pas des choses qui m'intéressent vraiment donc... Ah bah oui, je peux enfin l'utiliser. Oh oui. Oh oui. Alors que voulais-je? Alors quête. Oui, les mensonges du scarabée. Le visage du lézard et le yen. Ah oui, tout est à 2 km et quelques en fait, d'accord. Donc, dans les équipements. 17. Le loup d'or. Ah, oui, ah mince, c'est 22, quel dommage. Quel dommage. Alors, madame, crochet de vipère. Magie poison. Oh, celle-là, elle est complètement présente. Hein. Alors, maintenant, au niveau de la quête, donc on va faire enquête principale. Les mensonges du scarabée. Ouais, donc en fait, les Topolis, ça doit pas être si loin que ça. Si ça se trouve, j'y suis déjà allé en fait, non? Ah bah voilà, c'est là. Ah mais je crois que... Merde. Ah, je l'avais pas pris. Plus rapide, c'est là. Ouais, c'est là. Où est-ce que je suis, moi? Je suis là. Ouah, tous ces points d'interrogation. Le percepteur. On peut toujours faire les quêtes à côté en attendant. Enfin, en attendant. Avant deux, j'ai envie de dire. Hein, mec ? Toi, tu vas crever !